Eh bien bonjour à toutes et à tous, jeuxvideo.com, bienvenue dans un nouveau Gaming Live, un Gaming Live qui d'ores et déjà polémique, mon cher Da France. C'est déjà génial. Bienvenue à toi déjà. Voilà, alors de quoi on va parler? On va parler tout simplement de... C'est caché dans nos têtes. Shower with your dad simulator 2015. Do you still shower with your dad? Voilà, donc un jeu de simulation de douche avec papa. Aïe, c'est alors attention. Si vous ne voulez voir, si vous ne voulez pas voir, surtout de pénis pixelisé, voilà, ne regardez pas ce gaming live. Rassurez-vous, il y a rien de choquant. C'est un petit jeu en pixel art, un jeu qui vaut 1€. Et tu vas nous montrer ça dans quelques jours. Ça sort dans quelques jours, tu vas nous montrer ça rapidement. On va passer en revue le contenu. Donc, on a trois modes. Ouais. Le reste est bloqué. Ah. Il y a du dad loadap contente. Ah. Donc voilà, du jeu de mots. Et on va commencer avec l'enduro dad. Allez, c'est parti. Donc c'est un jeu à 1€. Ça coûte pas cher. Voilà. C'est clairement bon, on en fait vite le tour quand même. C'est vite fait. Ça aurait dû limite sortir. Sur mobile. Même si bon, il y a des jeux beaucoup plus complets sur mobile, mais je veux dire, vu le tarif du jeu et le contenu gameplay, du jeu, la folie du gameplay, ça aurait quoi. Pu jouer sur voilà. Donc faut trouver le bon papa. Et donc on a aussi une savonnette qui augmente les points. C'est la folie. Alors ça ressemble beaucoup, tu me disais, du WarioWare quoi. Enfin, ouais, c'est un petit peu le petit jeu débile mais rigolo, digne de WarioWare. Avec un style pixel art. Tu as toujours que 3 papas Alors oui, il n'y a que 3 personnages donc. Ah parce que dans le trailer, quand même, il nous avait mis des aliens, il nous avait mis des poussins. Ouais, il y avait des canards, il y avait n'importe quoi. Ah oui. Et en... j'ai pris une flaque. J'ai fini dans le papa roux. Et du coup, c'est le game over. Si tu te trompes de papa. Voilà, il faut pas se tromper dans l'enduro. Avec l'enduro, donc dans ce mode, on ne faut pas se tromper. D'accord. Ensuite, on a un autre mode qui est le dadathlon, qui est assez ressemblant, sauf qu'en fait, l'enfant change. Et il y avait Robin des Bois. Il y avait Robin des Bois sur un écran. Ok. C'est complètement barré, c'est bon. Il faut aimer. Moi, ça me fait rire. Ça te fait rire aussi, je crois. Ah, mais bien sûr. Mais j'adore les simulateurs de douche. De douche, c'est génial. Donc voilà, le papa un peu traître. Tu as le fiston roux blond. Voilà. Et le papa est roux et le gamin est blond. Donc c'est un petit peu traître. Et donc en plus de ça, donc on a le savon pour augmenter les points. Et on a les flaques d'eau et les panneaux. Ah, je t'ai gouré de papa encore. Ouais, je suis déjà planté. C'est pas grave. Voilà, high score 44 quand même, essayez de le battre sur vous allez y arriver, je pense. J'ai débloqué le rasoir. Ah, qui va te permettre de tuer les méchants papas. Faudra voir ce que ça donne. Ouais, et donc on va passer sur le troisième mode. Le dernier mode qui est le Dad Division, qui est en fait un mode par contre assez différent. D'accord. Donc, le couple de squelettes, bien sûr. Ok, bien. Et donc là, il faut switcher d'enfant et attraper le papa au vol. Oh là là donc, là, voilà, ça a l'air bigrement compliqué. Vous allez comprendre, c'est une sorte de Tetris, c'est n'importe quoi. C'est un mélange improbable. D'accord. De toute façon, le jeu est improbable. Le jeu est totalement improbable. On sait même pas vraiment comment il a fait pour débarquer sur Steam parce qu'il a été greenlighté quand même. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une demande, les gens ont trouvé ça sympa. C'est ça. Et quand on sait qu'il y a des titres quand même assez importants qui eux ne peuvent pas le greenlight. N'y arrivent pas. C'est un beau doigt bien tendu à la totalité de la scène. Ça a dû en énerver, ouais. Oui, j'imagine. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est un petit jeu, somme toute, relativement sympathique. Ça fait rire. Bon, ça fait rire 5 minutes, après, on va pas y passer 4 heures. Mais ça fera sûrement la joie des youtubeurs, à mon avis. Bien sûr, voilà, histoire de faire une petite vidéo sympathique. Voilà. Mais en tout cas, on espère que ça vous a plu, cette petite présentation. Attention, je nous remets à l'écran. De Shower With Your Dad Simulator 2015, Do You Still Shower With Your Dad? On espère qu'il y a un peu plus de contenu au final. Bah, le Dad Loadap content, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais évidemment. J'ai hâte de le savoir. Voilà, mais bien sûr, et puis on y jouera bien sûr entre midi et deux, tous les jours. On va streamer ça. Et bien sûr. On vous remercie de nous avoir suivis, c'était une petite vidéo, donc pour ce jeu un peu atypique qui débarquera sur Steam dans quelques jours. Dans quelques jours, en tout cas, tu as pu discuter avec le développeur. Très sympa. Qui auparavant avait fait quelques petits jeux. Il a fait quelques petits trucs pour téléphone, mais voilà, c'est pas un mec important de la scène indé, quoi. Eh bien, on espère qu'il fera de grands jeux à l'avenir et qu'il pourra dire oui, bah écoutez, j'ai commencé avec Shower With Your Dad Simulator. En tout cas, on vous remercie de nous avoir regardé. Je te remercie, Da France. C'était un plaisir. Pour ce magnifique gaming live, cette magnifique présentation. Ce magnifique jeu. On sent que tu as des goûts vidéoludiques vraiment engagés. Celui-là, je suis allé chercher ce jeu. Ah, mais t'es allé le chercher très bon. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt sur jeuxvideo.com pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde! Ciao!